Oui, attention Daniel, pour Dundee 33 qui t'appelle. Oui, ok Dundee, voilà, ça y est, je suis derrière là, hein. Voilà, je suis à l'écoute. Putain la vache, tu m'arrives bien là de ce côté-ci. Quoi. Là, je suis au feu en haut de la côte de la GT. Hein. Ok pour la GT, hein. Donc il n'y a pas de problème, mais je décolle juste du cul à Savinel. Je voulais faire une petite vidéo en direct, là j'essaie de voir, en espérant que ça fonctionne, je ne sais pas. Voilà, donc, mais ça ne veut pas l'air de vouloir suivre, je ne sais pas, je regarde. Ouais, t'as une temporisation justement là sous l'enclenchement de la vidéo là quand tu fais un direct. C'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est pas forcément top. Ouais, pourtant j'ai la caméra sur le socle là. J'ai la caméra sur le socle, mais je sais pas, ça n'a pas l'air de. Alors attends, je sors suivant. Peut-être que ça va me le mettre. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. La lumière allumée parce que sinon on ne le voit pas. Hein. Sinon on ne le voit pas là dans l'écran. Hein. Tu veux dire que t'es pas une lumière? Ah, chie trois coups. Attends, si j'ai bien vu, tu m'arrives avec un Santiago de 5 hein, quand même ici. Hein. Donc là, il y a un petit bout de route hein, malgré tout. Hein. Voilà, alors, ça, je sais pas. Oui, ben, ça y est, je suis en direct là, Rémi. Ça y est, c'est parti la vidéo là. Alors, j'espère pouvoir l'enregistrer après. Voilà, donc là, je suis en train de tout. Je suis encore à mobile. Ok, là je suis un petit peu dans les bâtiments et tout, là c'est pas évident. Hein. Attends deux secondes. Ouais, je l'ai positionné correctement, là je sais où aller, là j'ai repéré un coin là où j'avais pris une photo là il y a quelques temps. Je vais voir ça de plus près. Histoire d'être en vue là du pont d'Aquitaine, tu sais le château de Lormont. Voilà, je vais essayer de me mettre là. Ok, j'arrive pile à l'endroit où je voulais. Attends deux secondes, je relâche le micro pour pouvoir me garer. Je dois
Bon, c'est pas top, là. Ok, bon, ben, je crois qu'en même temps, là où je suis, au château du Prince Noir, ça doit être ça, je crois, le nom. Le château qui est en plein alignement avec le pont d'Aquitaine. Voilà, là, j'ai une vue sympa, là, de ce côté-ci, mais avec beaucoup de QRM. Alors, si ça ne te dérange pas, je vais te proposer un QSY sur le canal 26, 27-265 de mémoire, en Lima Sierra Bravo. Ok, c'est bon, voilà, je suis en place. Bon, là je t'entends quand même un peu mieux ici. Et bon, pour faire des contacts, le parking du château, c'est pas le meilleur endroit. Ah, chier trois coups. Voilà, c'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on élimine au fur et à mesure les endroits où il faut pas aller. Donc voilà, là je suis en plein alignement là du pont d'Aquitaine. Là, certains pourront voir justement toute la circulation là qu'il y a là qui arrive. Bon, pour l'instant ça va, c'est relativement calme. Hein. Ok, bon, je me sors du château parce que là il y a vraiment trop de QRM. C'est moi encore, je m'en fous un peu, on va dire, mais là sur la vidéo ça va pas le faire du tout. Mais là, de toute façon, ouais, je vais te la repiquer, la vidéo. Hachi. Ah oui, ben là, tu peux pas faire la vidéo, là. Si, mais pour améliorer la bande-son. Attends, je suis où, là? Non, c'est pas bon. Je suis en train de bouger, là. Ok, pas de problème, Rémi. Voilà. Ouais, ben là, dis donc, je sais pas, le temps que tu as là-bas sur la rive droite, mais nous, ici, là, sur Saint-Médard, là, ça tombe de rue, dis donc. Je te dis pas, j'ai du monde qui arrive derrière. Voilà, j'espère que c'est pas mon trichet. Alors, il est déjà sur le... Voilà, mais si le monsieur est pressé derrière, il doublera, voilà. Ça tombe là, la pluie, je te dis pas là, c'est vraiment, ça tombe
Ok, mais il y a des quartiers comme ça, il faut vraiment pas habiter, hein. Ah oui, pourtant, quand j'habitais là-bas, j'ai jamais eu de problème de QRM, hein. À l'époque, j'étais dans un quartier là-bas aussi. J'ai jamais eu de soucis de QRM, là, mais pourtant. Voilà, bon, après, il faut te dire que j'avais l'antenne là-haut sur le toit du HLM, hein, à l'époque. Voilà. Donc, le fait, c'était que l'antenne était bien dégagée aussi, hein. Voilà, c'était très en hauteur et très 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 bien dégagé. Voilà, ok, maintenant moi je suis devant le petit champ préquestre là, hein, voilà, qui arrive à la Judasse là. Ok, d'accord, bon là je suis au feu là du supermarché et ça s'appelle Carrefour là maintenant ici là, là sur le Haut-Lormont. Eh ben ok, je vais aller justement du côté de ton ancien quartier là pour voir si ça va mieux. Pourtant, j'ai pas l'impression. Ah oui, non, carrément, non, pas de ce côté-là. Plus du côté pont. Oui, mais on va essayer de te mettre à la piscine, là, où tu es. Voilà, tu peux aller là. Je vais essayer de te mettre par là-bas. Je pense que ça rend meilleur dégagement, là, aussi. Voilà, sur Bordeaux et tout ça, je pense que ça aura un meilleur dégagement. Ah ouais, en plus je viens de passer sur le pont, là là c'était pourtant impeccable, mais bon je peux pas rester là. Quoi. Ah chi. Ok, ben là je suis sur la dernière ligne droite là. Je suis sur la dernière ligne droite avant d'arriver au boulot là. Pour ça j'essaie de rouler pas trop vite là. Pour pas que justement ça. Là de tout ça, voilà, ok, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc oui, je voulais dire aussi là à tout le monde, sauf en présent tous, donc je m'en réitère, mais voilà, donc il n'y a pas de problème pour samedi 10 mars pour le salon Radio Branque de Sestas. Voilà, pour tous ceux qui veulent venir manger, il n'y aura pas de problème, vous serez accueillis avec par le groupe et moi-même. Voilà, on restera la Calanga. Voilà, qui se trouve sur entre Sestas Pierrotin et le salon Radio Rock. Hein, voilà, donc c'est vraiment très approximatif. Voilà, c'est en plus vous pouvez regarder là, sur le map. Le restaurant Calanga Sestas, vous verrez. Ok, il n'y a pas de problème. Donc là, bon, j'ai quand même, là aussi, là, j'ai pas mal de QRM. Je suis à côté de la piscine. Toujours en, avec le pont d'Aquitaine, là, en face de moi. Ok. Et Radio Broc. Alors, as-tu l'adresse en tête ?
pas l'adresse du Radio Broc, Rémi. J'ai pas l'adresse du Radio Broc en tête. J'ai pas l'adresse du Radio Broc en tête, là. Qu'est-ce que je fais, moi? Oula. Je m'en vais, mais en plus, je m'en vais dans le... Je m'en allais sur le portail, au lieu de me mettre sur le parking, c'est pour te dire. Voilà. Voilà, je fais ma manœuvre. Ok. Ah, ben, nos amis, là, de la brigade de l'armement, là, viennent de passer. Voilà, bon, ok. Voilà, mais écoute, Rémi, voilà, ça y est, là, je suis garé, là, je suis devant le pro. Voilà. Oui, donc Radio Broc, c'est ça. Hein, les gens peuvent retrouver l'adresse internet sur le site, sur notre site, hein, enfin, ton site, pardon, notre site, ton site, Rémi, Planète CB francophone. Voilà. Et ils auront tous les renseignements et l'adresse du restaurant, ils auront tout, le nom. Voilà. Voilà, Rémi, retour. Ok, Hachitroikou, ouais, ou directement sur le site internet de Radio Broc 2018, hein, puisque je crois que le lien, c'est que ça doit ressembler à ça, il me semble. Hein. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, le Radio Broc 2018, voilà, donc tout le monde pourra retrouver ça sur le site. Alors, je vais essayer de faire, voilà, débloquer le téléphone. Oups. Excusez-moi, c'est rien. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien la fréquence. Voilà. Avec notre ami Dandy François. Est-ce que ça passe bien? Je ne sais pas. Ouais, c'est bon, voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est sur la vidéo, donc on verra bien. Je vais te faire ton micro, là, Rémi. Eh bien, bouge pas, mets une croix rouge sous la voiture là où tu es. C'est du 55 là de mon côté. Hein. Ok, bah écoute, j'ai pas pu voir moi ton signal puisque j'ai le téléphone qui filme l'écran, donc j'ai pas pu voir ton signal. Hein. Voilà Rémi, donc c'est pas grave, j'espère que après je fais un enregistrement. Si je réussis, j'espère. Voilà. Tu sais que je suis doué là-dessus. Donc ok, voilà Rémi, donc pour moi, eh bien, il n'y aura pas de problème. J'ai la personne à contacter là du restaurant là, de la Kalanga, donc elle nous attend avec grand plaisir. Et le café nous sera offert. Voilà, donc parce que je suis passé par un site, ils sont hébergés par un site, le restaurant. Et donc cette personne m'a demandé si le site faisait des réductions et je lui ai dit bah, écoutez, j'ai rien vu, donc elle m'a dit bah, écoutez, il n'y a pas de problème, alors je vous offrirai le café. Alors tu vois déjà, ça montre bien la bonne foi du restaurant. Voilà Rémi, retour. Ok, bah oui, c'est sympa ça. Ok, c'est génial ça. Donc rien que pour le café, il faut que tout le monde vienne à Radio Broc. C'est... ça c'est cool. Voilà, bon bah, écoute, ouais, j'espère que la vidéo sera bonne, la Rémi. Attends, je refais un petit. Voilà. Une petite vision sur ma bouille. Voilà. Ok. Voilà Rémi, bah, écoute, je vais être obligé malheureusement moi, de passer QRT puisque je suis, comme je te dis, travail, enfin je viens d'arriver là, je suis sur le parking là, donc les collègues se demandent ce que je fais. Voilà, ok, bah écoute Rémi, j'ai vu ce matin là, que tu devais bosser aussi encore ce soir et demain, donc écoute, je vais te souhaiter bon courage. Voilà, et pour moi, bah, écoute, j'essaierai de te rappeler éventuellement là, peut-être dimanche là, savoir si tu bosses, voilà, enfin, là où tu es exactement. On n'en parle pas là-dessus. Voilà. Voilà Rémi. Ok, bah écoute, je t'envoie les bonnes amitiés. 73 à toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui vont être susceptibles de regarder la vidéo là. Voilà, de notre ami Dandy François et Daniel Santor. Ici, ben, tous les deux à Mobile, hein. Voilà, ici, là, sur le QTH au Pro de Martigas. Voilà, allez, 73, et bonne fin de journée à tout le monde. Daniel Santor, passe QRT. Voilà,
Salut Alex, c'est un collègue de travail qui regardait la vidéo là, parce que c'est un OM qui travaille la nuit. Ah si, voilà, ok, allez, bonjour à tout le monde, et puis Rémi, je te fais retour de micro, et je vais passer RT là, 73. Ok, ce soir je suis dans les environs de d'Abzac, donc à l'extrémité là de la Gironde, extrémité est, nord-est de la Gironde. Samedi, je suis chez les beaux-parents à Marennes, j'ai plein de boulot qui m'attend là-bas, donc c'est pas gagné du tout là pour demain soir. À mon avis, je serai pas là demain soir, pas là à temps en tout cas. Dimanche matin, je sais pas. Aucune idée. En gros, le seul jour de repos que j'ai, ben, ça sera dimanche. Hachi, et encore, je sais pas, on verra bien. Ok, Daniel, j'avais plein de questions à te poser, vu qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveaux là qui arrivent en fréquence. Et justement, sur les conseils, installation mobile, tout ça, le choix du matériel et tout, antenne et tout. Autrement dit, là, on aurait pu faire une heure de QSO. Hachi, trois coups, les 73, Daniel, à plus. Ok, 73 à tout le monde, tous les écouteurs et les amis du FV. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Daniel Santor, 14 du mal, famille 3, CRS 2373. J'ai pas tous les énumérés parce qu'on y est encore jusqu'à demain. Allez, bonne journée à toi, Rémi, 73 à tous. Ok, les 73 de Dindy 33, 14 Delta Romeo 33. À la prochaine. Alors hier matin à la même heure, on était descendu sur le 17, ben il y avait du monde. On est passé sur le 16, eh ben il y avait du monde. On est passé sur le 15, eh ben pareil, il y a du monde. Le 13, il y avait du monde aussi. Eh ben comme quoi le matin ça module. Qu'est-ce que je cherche à faire comme connerie? Voilà. Bon, ça c'est histoire de me faire mentir ça. On se rend sur le feu rouge, hein, moi. Ah. Donc là, ok. Hop là. Bon, c'est très furtif à la QSO. Là, les OM, ils sont sur leur canal habituel, quoi. Vous voyez qu'il y a du monde quand même. Il faut faire le tour des canaux. Faut aller à la pêche. Alors certains postes sont équipés de la fonction scan. Alors faut mettre vraiment, vraiment limite. Et bon, on enclenche.
Voilà comment on trouve quelqu'un. On va faire un test. T'as sur la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, j'ai entendu quelque chose. JFK, est-ce que c'est toi? T'as sur les stations fréquence pour Dandy 33 qui lance appel. Bon, sur le pont d'Aquitaine, ça commence à ralentir un petit peu, là, on dirait. Bon, ben, c'est pas grave. Ah, ah. Ah oui, c'est vrai, il y a des étrangers qui, dont la réglementation dans leur pays est en terminaison 0. Et comme nous, on est en terminaison 5, oh, j'ai pas envie de me décaler. Allez, on va relancer le scan. Qu'est-ce que j'ai fait?
Edge. Jamais obsolète. Les contacts longue distance, les rencontres. Romeo 33, la planète Sibi francophone.